Comment récupérer au moins une heure de temps par jour? J'ai un truc canon à vous annoncer, testé et approuvé. Bonjour, ici Manuel van der Straat. Alors aujourd'hui, dans la Minute de Mano, je voudrais voir avec vous comment récupérer justement, retrouver une heure de liberté supplémentaire par jour à pouvoir investir dans du temps libre, dans un projet qui vous tient à cœur, dans du temps que vous allez passer avec votre famille, etc. Eh bien, autre que la diète médiatique dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, eh bien, c'est tout simplement en désactivant les notifications que vous avez sur votre smartphone. Désactiver les notifications Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc. Et autres notifications qui font que lorsque vous avez l'écran d'accueil devant vous, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que vous avez 15 Facebook, que vous avez 4 Messenger, etc. Et donc, bien entendu, on est attiré d'aller checker. Ce qui fait que chaque fois, vous êtes distrait par rapport à ce qui est essentiel pour vous, c'est-à-dire travailler sur la chose la plus importante que vous voulez accomplir durant votre journée. Alors, moi, j'ai testé pour vous. J'oublie par moment mon smartphone, ce qui m'arrange parce qu'avant, j'étais évidemment très, très fort collé dessus et je perdais pas mal de temps aussi. Et donc, c'est un exercice absolument génial. Les notifications, enfin, les sons liés aux notifications sont évidemment désactivés aussi. Je vous invite à tester ça. Vous allez voir que vous aurez l'impression d'être un peu en vacances. C'est absolument génial. Alors, si en plus vous êtes fort stressé, si vous avez peur du burn-out, si vous avez peur que le burn-out frappe à votre porte, et que vous avez envie d'une solution sans aller consulter, moi je vous invite à télécharger mon e-book gratuit, Les 10 commandements pour combattre le burn-out. Il est en accès libre sur mon site. Vous inscrivez votre prénom, votre adresse mail et vous l'aurez tout de suite dans votre inbox. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!